toutes sortes de sédatifs et d'anxiolytiques. Bonjour, Miss Efimova. Je reviens vers vous pour... Kate Walker, c'est bien vous. Quelle heureuse coïncidence. Voilà des semaines que je vous cherche. Monsieur Quentin, j'imagine. Ah, je vois que ma réputation me précède. Miss Efimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente. Non, je suis juste au courant de votre existence, Monsieur Quentin. Il y a quelque temps, mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au Basque. Sans me vanter, je suis le meilleur détective de la côte Est. Avec moi, c'est sans souci. Je suis mandaté pour vous ramener à la maison saine et sauve, Miss Walker. Je devrais arriver à Valsambor dans quelques heures. Désolé pour le dérangement, Monsieur Quentin. J'imagine que ça n'a pas été facile de me retrouver. Ouh là 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 là, vous n'avez pas idée. Cela va sans doute vous contrarier, mais je n'ai pas prévu de rentrer aux États-Unis pour le moment, Monsieur Quentin. À vrai dire, vous n'avez pas vraiment le choix. La justice américaine vous recherche, et j'ai même un mandat d'arrêt international contre vous, Miss Walker. C'est vous dire. La justice me recherche? Mais pour quelle charge, s'il vous plaît? Je n'ai rien à me reprocher. Détournement de fonds. Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg. Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs. Que vous seriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux. Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatait. Ce n'est pas rien tout ça. Vous en conviendrez, Miss Walker. Tout cela est parfaitement ridicule. Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays. Vous n'êtes qu'un simple détective. Alors vous devez vous faire une raison, Monsieur Quentin. Je ne rentrerai pas à New York avec vous. Fichez-moi la paix! Attendez, Miss Walker. Soyez raisonnable. Au revoir, Monsieur Quentin.
Charmant. Dépêchez-vous, voyons. Oui, Docteur Rolka, je fais ce que je peux. Cette saleté de robinet finira bien par céder. Nous y sommes. Eh bien, voilà qui devrait convaincre cette racaille Yukol de lever le camp et de retourner d'où elle vient. Venez, Helmut, ne traînons pas ici. Oui, bien sûr, Docteur Rolka. Un vieux jerrycan vide. Quel désastre! Acide chlorhydrique. Trop dangereux sans récipient en dessous. Est coincé. C'est pas vrai. Il faut que je me débarrasse de cette chaîne. Et vite! Thank you.
Engrem. Tuk. Bekuret. Miss Catwalk, szembenú turuk, tuk. Mininir borut. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre autruche? Autruche vouloir boire eau pourrie, tuk. Quand autruche soif. Et alors autruche, pas malin, Miss Catwalk. Elle laco, tuk. T'es dure comme la pierre. Essayez de les retenir aussi longtemps que possible. Il doit bien y avoir un moyen de filtrer l'eau de la rivière. Engalimouk. Mais Miss Catwalk, faire vite. Miss Catwalk. Bonjour, madame. Ah. Tu te souviens de moi, Miss Catwalker? Moi, Ayahuasca, grande chamane Yukol. Moi, partie te rechercher là-bas, dans le monde des esprits. Alors c'est à vous que je dois la vie, Madame Ayahuasca. C'est vous qui m'avez soignée avant de me confier au médecin de la clinique de Valsambor. Je ne sais comment vous témoigner ma gratitude. Toc-toc, Zoger. Miss Catwalker va aller nettoyer haut de la rivière, là-haut. Depuis qu'elle a voyagé dans monde magique, esprits êtres ses amis. Ils lui montreront la voie. Très bien, si vous dites que les esprits vont me donner un coup de main, je vais tenter de faire ça. Autruche bientôt hors contrôle. Miss Catwalk doit nettoyer rivière. Mesdames et messieurs les esprits, si vous voulez me montrer la voie, c'est le moment. Il n'y avait qu'à demander, j'imagine. Cette jauge sert visiblement à mesurer le débit d'eau qui s'écoule du barrage. Je dois pouvoir utiliser ce barrage pour filtrer le gasoil. Il faut que j'essaye.
L'eau est propre maintenant. Mais qui sait quels dégâts ont été causés entre-temps. Merci d'avoir sauvé Troupeau. Baïrtra, Miss Catwalk. Grâce toi et esprit, autruche sauvée. Faites attention tout de même, Monsieur Brut. Le barrage qui filtre l'eau risque de ne pas tenir très longtemps. Ça. Yukol partir vite pour mettre Autruche en sécurité. Mais pas possible sans Kurk. Lui, notre guide. J'arrive justement de la clinique. Kurk et moi partagions la même chambre. Ta! Comment Kurk va? Il va bien. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Brut. Touk, pourquoi lui pas revenir alors? La mise au point de sa jambe artificielle tarde un peu, semble-t-il. Sans Kurk, Yukol pas pouvoir partir. Alors, autruche vouloir continuer voyage sans les Yukol. Pas possible retenir encore longtemps. Autruche traverser lac de Valsambor. Et puis manger par les esprits du lac. Touk. Les autruches qui traversent le lac, c'est donc une étape obligatoire de la transhumance? Touk touk. Baranur, autre côté lac. Ces chemins pleines sacrées. Autruche pondre dans sable chaud, des plaines sacrées. Mais lac pas gelé comme avant. Alors, pouvoir pas traverser. Écoutez, Brut, faites de votre mieux pour calmer vos autruches pendant que je vais à Valsambor. J'ai promis à Kurk d'aller y récupérer sa prothèse et de la lui ramener. Baïrtra, Baïrtra, touk. Miss Catwalk, toi, ami des Yukol. Je vais aller parler à la chamane maintenant. Ayahuasca sera contente de voir Miss Catwalk. Elle beaucoup accompagné toi dans le monde des esprits pour libérer toi. Toi pas mourir grâce à elle. D'abord, Gade, pas revenir. Et maintenant, eau empoisonnée. Sombre présage. Merci, Miss Catwalk. Quelle étrange sculpture. On dirait une sorte de pieuvre de calamar. Touk touk. Les superstitions semblent très ancrées ici.
sinistre. Ah, Miss Catwalker. Quelle bonne nouvelle. À vrai dire, rien de bien réjouissant. Cœur que votre jeune guide est aux mains d'Olga Efimova. Cette femme a mis sous sa coupe le directeur de la clinique, ce pauvre docteur Zamiatin. Elle semble aussi de mèche avec un militaire passablement douteux. Ces gens-là vous détestent, Ayahuasca. Ils ne supportent pas votre mode de vie. Ce sont eux qui ont empoisonné l'eau de vos autruches. Je pense aussi qu'ils retardent la pose de la prothèse de Kirk pour le retenir à la clinique et vous empêcher de poursuivre votre transhumance. J'en plus aimé Yukol. Yukol has been. Toc, toc. Si Yukol s'en guide, alors pas continuer grand voyage. Retourner dans le nord et plus jamais bouger. Et puis, autruche mourir. Allons, allons. Nous n'en sommes pas encore là. J'ai promis à Kirk d'aller à Valsambor pour lui ramener sa jambe mécanique. Touk ! Jambe magique, pas seul problème pour Yukol. Si le lac ne gèle pas, votre troupeau ne pourra pas le traverser. Je suppose que vos autruches nagent mal. Et puis il me semble que ce lac a vraiment mauvaise réputation. Miss Walker, très perspicace. Maintenant, beaucoup mauvais esprits sur le lac. Et aussi après. Baranour, très dangereux. Malheur partout. Ayahuasca, très très peur. Il y a peut-être une autre solution pour traverser ce lac que d'attendre qu'il gèle. Je profiterai de ma visite de Valsambor pour me renseigner. Pourquoi Miss Catwalker faire tout ça pour nous? Sans les Yukol, je serais morte de froid et de faim au bord d'une rivière de Sibérie. C'est naturel qu'à mon tour je vous vienne en aide. Touk. Alors, Miss Catwalker, accompagnez Yukol d'un grand voyage? Nous verrons bien. Il faut d'abord que je me rende à Valsambor. Mais comme vous, il semble que je sois prisonnière de ce camp. Yukol, plus le droit d'aller à Valsambor. Miss Catwalker, comme eux, elle doit trouver laissez-passer pour pouvoir sortir d'ici. C'est étrange ce lac qui tarde à geler. Sans doute une conséquence de plus du réchauffement climatique. Mauvais esprit au fond du lac, faire chauffer l'eau. Salopard, mauvais esprit, partout maintenant. Où pourrais-je trouver ce laissez-passer pour quitter le camp? Avant, Lian Wukol pouvait utiliser machine dans cabane à la sortie du camp. Mais autorités l'ont cassé. Alors plus pouvoir faire marcher. Miss Catwalker devrait demander à client touriste Valsambor. On m'a dit tous les soins que vous m'avez prodigués quand votre tribu m'a recueilli. Je tenais à vous en remercier. Miss Catwalker guérit tout ce qui compte. Boulot Ayahuasca. Je vais essayer de trouver ce laissez-passer dont vous m'avez parlé. Miss Catwalker, faire vite. Drôle d'odeur. Une peau. Sans doute pour confectionner des vêtements.
te laisser passer, mais comment vous êtes entré ici alors? Catastrophe évitée de peu avec eau des autruches. Merci, Miss Catwalk. Désolée, mais je ne peux pas vous donner mon laissez-passer. Sinon, je serai bloquée ici, vous comprenez? Décidément, ces autruches sont adorables. Je me demande si je peux... Hors de question de vous donner mon laissez-passer. Ça vous apprendra à entrer frauduleusement ici. Cette yourte est accessible. Si seulement j'avais le temps de piquer un petit somme. Quel beau motif! Catastrophe évitée de peu avec eau des autruches. Merci, Miss Catwalk. Les artisans Yukol doivent produire ces statuettes en masse. Vous donnez mon laissez-passer, et puis quoi encore? Un joyeux Capharnaüm. Rien à voir avec les marchés de New York. Il a l'air plus avenant que les autres visiteurs. Je devrais peut-être tenter ma chance avec lui. Monsieur, excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Cela s'entend. Que diable fait une jeune américaine dans notre belle région? Les affaires? Ou du tourisme, peut-être? Oh, c'est une longue histoire, croyez-moi. Je vois. En tout cas, il faut absolument que vous visitiez notre ville. Vous savez, Valsambor a beaucoup de charme cette saison. Et profitez-en pour vous arrêter à ma taverne. C'est la meilleure table de la ville. Malheureusement, je n'ai pas de laissez-passer pour aller à Valsambor. Peut-être que vous savez comment faire pour en avoir un? Oula, ça va être compliqué. C'est la mairie de Valsambor qui délivre les laissez-passer. Et il vous faut un laissez-passer pour vous y rendre. Alors je suis coincé ici? Peut-être pas. C'est le laissez-passer de ma femme. Elle est souffrante et n'a pas pu m'accompagner. Ce document est parfaitement valable, si ce n'est qu'elle a oublié de le faire tamponner à la mairie. Et... c'est gênant? Hélas, oui. Sans tampon, ce document ne vaut rien. Avant, il suffisait d'utiliser la tamponneuse qui se trouve dans la guérite des policiers municipaux, là-bas, à l'entrée du camp. Mais elle a été mise hors service depuis que la mairie a sévèrement durci les lois contre les Yukol. Donc ce laisser-passer ne sert à rien? Pas forcément. Il suffirait juste d'y ajouter un tampon qui ressemble au sceau de Valsambor. Les policiers municipaux ne sont pas des aigles, faut bien l'avouer.
Enfin, je vous ai rien dit, moi. Bon courage, mademoiselle. Et n'oubliez pas de passer à ma taverne quand vous serez à Valsambor. Donner 50 grammes. Cadeau maison. Bonne affaire, pas cher. Ah, vous les nomades, on peut dire que vous avez le sens du commerce. Allez, on est mon 2 kilos, mon garçon. Mais. Sacre bleu! Mon portefeuille! On m'a volé mon portefeuille! Et vous! Rendez-le-moi immédiatement! Toc! Toc! Hey, ils ont bien raison en ville. Vous, les Yukol, depuis que vous êtes coincés ici, vous montrez votre vrai visage. Ces voleurs de poules et compagnie, tous autant que vous êtes. Dimitri, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense quand on voit ce qu'on voit. Ces Yukol ont ça dans le sang. Cette demi-pension m'a bel et bien fauché mon portefeuille. Ne te mets pas dans cet état, chérie. C'est moi qui l'ai, ton portefeuille. Souviens-toi, tu me l'as confié tout à l'heure pour que je puisse acheter ce petit châle en plume d'autruche. Ouais. Bah tout de même, ce gars-là il est pas net. Et puis sortons de ce bazar avant que tu me ruines. Il peut se les garder ces topinambours. Maintenant que les touristes pensent que Yukol sont tous voleurs. Difficile de ne pas se sentir intimidé. Konokmak. Tuk Tuk Tsugar. Un calamar gisant dans une flaque d'encre. Pauvre bête. Voici donc ce fameux lac qui ne gèle plus. Une guérite, sans doute celle des employés municipaux. Stop ! On ne passe pas ! Et pourquoi donc, je vous prie ? Mademoiselle, la divagation intempestive des nomades Yukol dans la ville s'étant avérée être un élément perturbateur de la quiétude de ses concitoyens, le maire Bouliakine a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez-passer dûment tamponné. Mais de quelles perturbations de l'ordre public peuvent bien être accusés les Yukol? Dégradation des infrastructures publiques, chapardage, vol à l'étalage, mendicité, toute la panoplie délictueuse de ce genre d'individus. Et vous avez des preuves formelles contre eux? Sans laisser passer, on ne passe pas. Ce laisser passer est vraiment nécessaire? Indispensable. Alors n'insistez pas. Circulez.
des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Rien d'utile ici. Une tamponneuse. Incomplète, on dirait. Une forme est incrustée dans le cuir. Il manque le tampon. Pratique. Une vieille éponge, toute desséchée. Cette forge est magnifique. Bonjour. Konokmak, Misketwalk. Besoin forger quelque chose? Eh bien oui, en effet. J'aurais besoin d'un tampon qui ait la forme du sceau de la ville de Valsambor, et que je puisse utiliser avec la presse à l'entrée du camp. Compliqué. Besoin modèle. Toc toc. Toi avoir ça, Misketwalk. Oh là là, compliqué. Forgerons besoin aussi cire pour le moulage. Bonne comme l'autre, tampon prêt dans pas longtemps.
clinique. J'espère que Kirk tient bon là-haut. Il faut que je trouve le moyen de fixer le tampon avant qu'il ne retombe. Bonjour, Miss Walker. Très heureux de vous retrouver enfin. Monsieur Quentin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous ramener à la maison, de gré ou de force. Allons. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Monsieur Quentin, je ne sais pas combien vous ont promis vos commanditaires pour me livrer à eux. Mais si ce n'est qu'une question d'argent, peut-être que... Arrêtez ça tout de suite, Miss Walker. Vous devenez un tantinet insultante. Sachez-le, ma probité professionnelle n'a jamais été prise en défaut en plus de 20 ans de carrière. Allons, donnez-moi vos poignets. Monsieur Marson? Enfin, je la tiens! Oui, elle est saine et sauve. Miss Walker est sous mon contrôle. Je vous tiens au courant pour la suite. C'est l'affaire d'un jour ou deux, tout au plus. Il y a, j'imagine, quelques obstacles procéduriers à franchir avant de pouvoir quitter le pays. Écoutez, toutes ces accusations dont on me charge sont sans fondement. Le meurtre de Hans, les détournements de fonds, c'est du délire. Et pendant que nous perdons du temps ici, je ne peux pas aider les Yukol. Or, croyez-moi, ils en ont vraiment besoin. Je ne suis pas votre ennemi, Miss Walker. Si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous semblez le prétendre, votre intérêt est de rentrer au pays et de faire valoir vos arguments devant le tribunal. Vous n'avez plus rien à faire ici, ou, je le crains, vous ne comptez pas que des amis. Eh bien, soit, Monsieur Quentin, vous avez gagné.
Je suis bien content de vous voir enfin devenir raisonnable, Miss Walker. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre l'arrivée d'un représentant des autorités militaires régionales pour les procédures administratives. J'imagine qu'alors nous obtiendrons rapidement l'autorisation de quitter ce pays. Combien de temps faudra-t-il attendre? Vous savez, j'ai été souffrante ces derniers mois. Je suis en convalescence. Je suis encore un peu faible. Eh bien, ça risque de prendre quelques heures, tout au plus. Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau? Je ne me sens pas très bien. La tête me tourne. Il faudrait que je vous laisse ici en attendant. Je ne suis pas sûr que... Je vous en prie, Monsieur Quentin. Je crois bien que je vais m'évanouir. Ne vous inquiétez pas, Miss Walker. Je vais voir ce que je peux faire. Surtout, ne bougez pas d'ici. Vite. Je dois me libérer et filer d'ici pendant que Quentin est occupé. Inutile. Ça ne me servira à rien. Une bouteille en verre, peut-être qu'en la faisant tomber... Il faut que je trouve autre chose. Elle a l'air de peser son poids. Peut-être qu'en la poussant un peu... Enfin libre. Bon, fuyons avant que Quentin ne revienne. Miss Walker! Non, attendez! J'ai un mandat d'arrêt à l'encontre de cette femme. Arrêtez-la! Mon laissez-passer! Ah! Rendez-le-moi! Immédiatement, vous m'entendez?